Salut à tous et à tous, Sigma sur 67. Et je pense qu'on s'est refait. Bienvenue dans l'épisode 6 de Gundive Tycoon. Donc, j'ai produit deux jeux. Entre l'épisode 5 et l'épisode 6, j'ai produit Dragon Ball, qui a été un jeu carrément sorti avec un bug. Et je viens de produire Airpocalypse, qui vient de nous faire un 9,5. C'est-à-dire qu'on va pas partir en faillite. On se refait, les amis, on se refait. Et comme vous pouvez le voir, j'ai aussi la 3D V2, mais il me faut 40 points de recherche. Je vais rechercher le multijoueur par contre. Votre rapport RPG, post-apocalyptique et RPG est une excellente combinaison. Gameplay sont relativement importants. Post-apocalyptique, tout public, bonne. Ah, j'aurais peut-être dû mettre adulte, ouais. Non, je vais garder mes points de recherche pour pouvoir développer la 3D V3. Allez, on se refait là. Vous savez quoi? On va spammer les RPG. On va faire un RPG. Un RPG. Un RPG donjon. Tout public. Sur PC. Oui, je vais spammer les RPG. Hein. RPG Donjon, on va l'appeler Rogue Legasso. Rogue Legasso. Référence à Rogue Legacy. Hein. Un très très bon jeu. Je l'ai d'ailleurs. On va peut-être peut-être qu'une fois j'y jouerai. Mesdames et messieurs, Airpocalypse de Master Games est le hit surprise de l'année. Une vraie réalisation dans la narrative interactive. Les personnages et le scénario captivent votre esprit. Airpocalypse mérite vraiment d'être tout en haut des classements. Julian Richter, Gamer Pro. Ouais, mais j'aimerais bien qu'il me fasse un peu plus. Donc là, bon, je laisse les mêmes setups que j'avais avant. Hein, parce que je refais un RPG. Faut savoir que j'ai fait 40 de design. Salut, c'est Kirton Gillen du Gamer. J'ai entendu que Master Game travaille sur un nouveau jeu. Est-ce que vous pouvez accorder quelques autres? Bien sûr. Beaucoup de nos lecteurs sont capables d'avoir une bonne. Bonne vous nous dire sur... On se concentre sur les dialogues. Merci d'avoir accordé un peu de temps. Dans une récente interview avec Master Games, ils ont parlé de leur prochain jeu, dont je vais RPG, et demandé au patron Link quels ont été là. Ok, donc ça, on laisse comme j'ai mis. Allez, je pensais qu'avec. Ah, attendez. On a de l'engouement, je vais faire un peu de marketing. Voilà. Donc, on va laisser ça comme ça. Cher Master Games, avant de suivre votre récent progrès de ces dernières années, vous voudriez vous inviter à la plus grande convention de jeux vidéo au monde, Games and Games, aussi appelée G3. Oh, on est invité à l'E3! Oh, en ayant un stand pour votre entreprise, vous pourrez accroître votre notre de fans. Hein? Ça veut rien dire, ça veut. Revoyez votre traduction. Ainsi que l'engouement sur vos jeux encore en développement. Ouais, mais je peux pas y aller, j'ai pas l'argent. RPK, mais je fais des bons jeux, mais ils me rapportent pas d'argent, regardez. Il m'a rapporté que ça, c'est un 9,5. Nouvelle recherche du dialogue arborescent. Ouais, mais je vais rechercher la 3D V2. Et toi, tu vas me faire un rapport. Un rapport, allez. Faire le rapport sur Rogue Legasso. Première critique pour Rogue Legasso, notre dernier jeu vient d'arriver. Un 8, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Un 7. Un 8. Expérience agréable. Alors, histoire et quête sont très importants pour ce type de jeu. Est-ce que j'ai un petit contrat que je peux faire? Allez, fais-moi ce petit contrat. Je peux faire un autre petit contrat? Non, toi t'es un gros contrat. Toi t'es faisable.
Ouh, on est presque nouveau au million. Est-ce qu'on profite de toujours être sous des RPG? Allez. Maintenant, on va faire un. On en profite d'être sous les RPG. Non, mais il faudrait que je choisisse un thème plus adulte. Zombie, c'est plus adulte. Un zombie RPG. Walking Boring Dead. Parce que Walking Dead c'est nul, hein. Walking Dead c'est de la merde. Allez. Va laisser comme ça, c'est un RPG. Soyons fous. Allez, je fais aussi du marketing. Même si on a le 3. Étude du marché, le marché sérieux, stable. Mais non, mais je viens de refaire un RPG et pile ce. Rogue Legacy. Ça va être le bide, ça va être le bide ce jeu, ça va être le bide. Ah. Ah non, non, on a de l'engouement. Allez, allez. Notre premier E3. Ah, bah pas mal. 48 000 personnes pour notre premier E3, c'est pas mal. Allez. Avec un tel engouement, tu dois te vendre là. Ah bah voilà. Ils vont sortir la Play 1. Où j'ai encore mes jeux de Play 1, enfin les quelques jeux de Play 1 qui me restent. Je sais encore. En raison de sa montée en compétence personnelle. Histoire ramifiée, cycle jour-nuit. Alors, rechercher. Cycle jour-nuit. Formé en design. Et toi? Suite. Oh, on peut faire des suites. Ah, j'ai pas assez de points. On va faire un rapport. Mes premières critiques pour Walking Boring Dead. Plus j'ai fait de l'engouement. J'ai fait de l'engouement en plus. T'es pas rentable, j'ai dépensé de l'argent pour aller à l'E3. Travail sous contrat. 3 semaines, 8 semaines. Ça, on peut le faire. Me faudra encore des points de recherche. On va créer un nouveau moteur. On va créer le 3D Engine. 3D Master Engine V2. Voilà. Encore du sang. Oh, le coup. C'est la faillite. Moi, je pensais qu'on était bon, j'avais fait un bon jeu et tout, mais non. Walking Boring Dead. En même temps, avec un. Qui veut jouer à Walking Boring Dead, sérieux? Qui va jouer à un jeu pareil? Votre nouveau moteur est terminé. Ok. Est-ce que je peux faire des petites recherches? Je voulais faire suite. Ils sont où suite? Ah. Et
je voulais vous former à de la vitesse. Toi de la vitesse et toi du design. On va être fauché. Devoir développer un jeu. On va être dans le rouge. Dans le rouge, vous autorise à découvrir, mais attention, si ça, votre compte est inférieur. Faillite, on peut pas faire faillite, non. T'as pas le droit de me faire faillite. Dépêchez-vous de finir vos recherches. Enfin, vos formations, pardon. Ok. Développer une suite. Non. 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 Ah, Musicality. Choisir. Jeune PC musique. On va rester sur PC. Prendre le Master Engine V2. Donc, Musicality 2. Suivant. Je me mets dans le rouge. Je prends des gros risques. Je prends des gros risques. Ça, on s'en fiche. Multijoueur. Je m'en fiche. Va faire faillite. La banque, fais-nous un prêt, s'il te plaît. S'il vous plaît. Putain, on a encore du son mono. Du Walking, j'ai réussi à les poursuivre. Si on les poursuit en justice, on peut perdre des fans, mais gagner de l'argent. On va les avertir. D'ici un an, on doit leur rendre 1 million. C'est un gros risque. Hein. Un gros risque. Je dois tout donner dans Musicality. Toi, pars en congé. Stratégie, mais pff, tu te fous de ma gueule. Un rapport. Je sais pas si ça va être bon. Toi, je vais encore te former sur le design. Toi, je vais te former sur la technologie. C'est moi qui fais. Il a coûté trop cher. Il a reçu une excellente réception, mais non, c'est pas vrai. Arrêtez de mentir. Défouché. On est complètement fauché. Allez. La stratégie est dans la mode? Très bien. Adulte. J'ai pas un truc militaire? Si. Militaire. Stratégie. PC. Avec le Freedy Engine V2. J'avais déjà fait un militaire stratégie, je crois que c'était StarCraft. Terror, attaque. Voilà. Suivant. Suivant.
C'est ma seule espoir. Stratégie, je dirais beaucoup de gameplay, beaucoup de moteur, mais pas beaucoup de tout ça. Ok. Dans 2 mois, la Venagir sera retirée du marché. Donc on va finir Terror Attack. Et dès qu'on aura fini Terror Attack, niveau maintenant plus on monte. Dis-moi qu'il a été positif. Pff, 62K. On produit à perte, on produit à perte. Non, je peux pas cette année, je suis désolé. Je peux pas. Pas ce 3. Je boude le 3. Et toi, faudrait que tu partes direct en congé. Accorder un congé. Allez. Allez. On attend les critiques. Espoir, espoir. Attends les critiques. J'aurais espéré un 10. Faire un rapport. Ça va. Il fait de l'argent, il fait de l'argent, c'est pas mal. Il me faut son stéréo. Mais il faut aussi que je les forme. Faudrait que je les forme en recherche. Donc c'est fais-moi réfléchir. Former. Fais-moi réfléchir. Théoriquement. Vous savez quoi? Donc. Donc, il est positif, il est positif. Ok, on va se laisser là pour cet épisode. Je vais de nouveau un petit peu jouer de mon côté, un tout petit peu. Et on se retrouvera dans l'épisode 7 en espérant que j'ai un peu plus d'argent. Je rappelle, je dois donner 1 million l'année prochaine. Enfin, à la fin de cette année, on est à 500K. Donc voilà, j'espère qu'on arrivera à s'en sortir. Moi, je vous aime fort. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, à aimer la vidéo. À laisser un commentaire et je vous retrouve très très vite pour la suite de nos aventures. Allez, bye tout le monde!